collectif Tricolores et a été créé depuis juillet 2018 et constitué par Scarz, Norma et Nash et moi. En fait, on a été créé en juillet 2018 à partir d'un projet d'un ami qui a été au début, c'était Norma et moi qui avaient programmé de faire un live painting. Scarz nous a proposé de faire un collectif du genre de créer un groupe et on a créé Tricolores et Tricolores est né à partir de ça. Et du coup, on a fait quelques performances du genre on était allé au Bamboo Lodge, après on a fait le CRAM et ensuite au coup d'État. Après, on a aussi fait à l'Assemblée nationale et actuellement, aujourd'hui, on va faire à Nofimat. Tricolores parce que on est trois, c'est tri. Et colors parce que du fait qu'on fait, on fait du genre trois styles différents et trois spécialités. Et du fait qu'aussi qu'on vient de trois mondes différents et ça fait Tricolores. En fait, on fait du live painting, donc peinture en direct. C'est-à-dire que, premièrement, on fabrique nos toiles. Donc, on va acheter le bois ou des bambous et ensuite, le support. Donc, c'est soit du tissu, soit des nattes végétales. Voilà, donc, le concept, notre démarche artistique, c'est que on improvise en fait. On arrive et on se confronte à la toile. Et on interagit avec le public et parfois on leur demande aussi s'ils sont intéressés par nous donner un thème et donc voilà, on commence, on sait pas vraiment ce qu'on va faire et puis de fil en aiguille en fait on s'adapte à ce qu'a fait l'autre et on fait des rotations aussi sur la toile pour pas que en fait on soit chacun dans notre coin à faire quelque chose et voilà, du coup ben nos trois styles se mélangent en fait et du coup on fait des live painting et aussi des ateliers. Donc Nash elle est plus branchée sur la BD, sur l'illustration et elle fait beaucoup de communication aussi. Elle est plus autour de la nature en fait. Les animaux, les insectes, et voilà. Ensuite, Scarz, lui, il fait plus du graffiti. Il fait aussi de la musique et du tatouage et, et des photos, vidéos. Et moi-même, je fais des peintures. Je fais de la peinture dans un style plutôt avant-gardiste. Et je fais un peu de photos aussi. Et en fait, j'essaye de mettre dans mes œuvres en fait des matériaux recyclés, donc ça me tient à cœur et comme ça, ben, on évite le gaspillage et aussi la surconsommation, donc voilà, des dépenses qui sont pas nécessaires. Alors, on utilise les fibres végétales pour notre ce côté éthique en fait, et ça fait notre particularité du coup. Alors les projets, c'est essayer déjà de rencontrer d'autres publics parce qu'on est resté beaucoup sur Tana. Elle est à Tamata, mais c'est pas suffisant. Donc aller à la rencontre d'autres publics, essayer d'autres supports également parce qu'on fait des toiles en fibre végétale, comme le disait Marie tout à l'heure. Mais on veut essayer d'autres choses aussi, notamment des murs, mais c'est un petit peu. Et pas que rester aussi à Madagascar parce que c'est... Comme on parlait tout à l'heure, Marie, on a des couleurs différentes et essayer de confronter ces couleurs-là à d'autres expériences. En dehors de ça, on a des projets comme faire des expositions. Notamment, on va essayer d'en faire une en 2019. Tricolores et personnel, on va essayer de mélanger ça un petit peu. On n'est pas fixé dans le groupe, même si on a une identité très forte avec le groupe. Enfin, je pense qu'elle est très forte. Mmh. Mais oui, rencontrer d'autres artistes, ouais, c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours... c'est une autre manière d'appréhender le même,
le même espace en fait. Et c'est intéressant de confronter ces idées-là, ces visions, ces différentes couleurs. Merci nos comètes.